Salut à tous, la team Zen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler de défis de ruines. Alors qu'est-ce que ruines? Alors je vais vous montrer. Ruines, c'est un nouveau skin qui va arriver avec cette semaine 8 de la saison 8. Quand vous allez accomplir 55 défis de l'expédition, donc 55 défis hebdomadaires, vous allez voir donc ce skin là ruine. Alors pour débloquer ce skin, comme je vous ai dit, il faudra faire 55 défis hebdomadaires, mais c'est pas de ça qu'on va parler, parce qu'aujourd'hui on va se concentrer les gars sur ces défis en tant que tel. Une fois que vous l'avez débloqué, vous allez avoir 1 2 3 4 5 6 défis à faire, et pour ces 6 défis, au bout de 3 défis, vous allez récupérer l'accessoire de dos, et au bout du 6e défi, donc du tous les défis, vous allez débloquer cette pioche. Et bien ces défis, je les ai trouvés pour vous, et ce seront les suivants. Normalement, si tout va bien et s'il n'y a aucun changement, parce que parfois Epic Games n'aime pas trop qu'on trouve les défis avant l'heure, mais voilà, c'est exactement ce qui va se passer normalement comme ceci. C'est le premier défi sera de détruire des arbres. Il faudra détruire 50 arbres, donc rien de très oufissime. Ensuite il faudra détruire, pour le deuxième défi, des rochers. Alors pour ces rochers là, je vous conseille de d'aller à certains endroits, comme par exemple le couteau fourchette qui a Fatal Fields, ou la mine qui a parapluie entre guillemets au sud du bloc actuellement. Ensuite nous aurons à détruire des voitures, camions ou camping-cars au nombre de 20. Ça aussi je vous mettrai une vidéo, tout ça c'est tout ce que je suis en train de vous dire, je vais vous faire des vidéos individuelles là-dessus. En tout cas, pour le quatrième défi, il faudra infliger des dégâts aux structures ennemies, donc 10 000 de dégâts, assez simple. Quand vous allez par exemple dans le mode bataille gourmande, il y a de la construction partout, vous allez simplement devoir mitrailler comme un gros malade. Et 10 000, bon, ça ira assez vite, vous allez voir en une game ou deux, ça sera fait. Ensuite, l'avant-dernier sera de survivre aux adversaires, donc à 1000 adversaires. Et ça c'est assez simple, puisque vous allez coupler ça comme moi par exemple avec Ambre ou avec le roi des glaces, où il fallait survivre à 25 000 adversaires, donc pourquoi pas le faire avec tout en même temps. C'est ce que je pouvais faire pour Ambre d'ailleurs. Et le dernier défi sera de compléter les défis journaliers, donc quotidiens. Il vous suffira d'avoir en gros 5 défis quotidiens. Alors quand je dis il vous suffira de, alors autant vous accumuler comme moi. Je les ai pas accumulés tout le temps, mais là en gros je les ai tous terminés. Donc ça veut dire que demain je vais en avoir un seul, et il m'en faudra 4 autres. Donc il va devoir attendre 4 jours pour valider entièrement ce défi. Donc je vous conseille, ceux qui ont 3 défis, d'en faire qu'un, pour que comme ça vous allez en avoir un autre tout à l'heure, ce qui vous en fera 3. Et comme ça vous allez faire au bout du deuxième jour, normalement vous allez avoir le pack complet de des 6 défis pour avoir la pioche. En tout cas voilà les gars, ce que j'avais à vous dire pour ces défis là de ruines. J'espère que ça vous a éclairé un peu dans ces défis là. Moi je vais vous dire à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, le petit code créateur Telmo-Lopez dans la boutique, et le petit abonnement si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Il y a tout qui arrive, les défis de la semaine 8 demain, ou tout à l'heure plutôt, parce qu'on est déjà bien entamé dans la journée. Et tous ces défis individuels, plus tous les défis individuels de Air Royal qui vont sortir, etc. En tout cas, je vous donnerai tous les détails en vidéo. Voilà, le plus important, c'est de rester zen. Je vous dis à tout à l'heure, one man, pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.